Bonjour, bonjour, merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Je serai pas long. Je n'aime plus trop venir. Je n'aime plus faire des directs sur mon Facebook. Je fais plus trop de directs sur mon Facebook. Mais quand même, il fallait que je dise un petit truc. Bonjour Blandine. Voilà, rapidement, en fait, je vais dire, réussir sa vie, en fait, ce n'est plus un mystère, d'accord? Ce n'est plus un mystère. Si vous nous suivez depuis, si vous nous suivez quand même depuis 5 ans, depuis 2016, 2016 ou 2013, vous allez vous rendre compte que, bonjour ambassadeur, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, réussir sa vie n'est plus un mystère. Ce n'est plus. Oh là là, il y a trop de soleil en face de moi. Réussir sa vie, en fait, n'est plus un mystère dans le sens où, avec les vidéos qu'on fait, avec tout ce qu'il y a sur Internet, tout le monde a des clés, en fait. Tout le monde a des clés. Et à un certain moment donné, je crois il y a 2 ans, le Seigneur m'a mis à cœur de recadrer mon message, en fait, sur la réussite. Sur la réussite. Et même quand j'ai été ordonné apôtre, je me demandais quel est le message que j'allais prêcher, quel est le message que j'allais donner aux gens. Et pendant une nuit à Bafoussam, lors de mon séjour précédent, j'ai fait un songe où je voyais un drapeau et le Seigneur me disait, en signe de succès aux gens. Je suis allé demander alors à mon père spirituel, ok, c'est quoi ce rêve bizarre que je fais où on me demande en signe de succès? Est-ce que ça vient de Dieu? Et parce que je connais l'approche que les gens ont par rapport au succès. Les gens disent que oui, quand tu es chrétien, tu peux parler de. Tu peux pas parler d'évangile, tu peux pas parler de prospérité, d'argent, tout ça. Donc les gens assimilent tout ça à de l'évangile de prospérité. Or, lorsqu'on regarde bien les personnages bibliques qui ont marqué l'histoire, la Bible, les récits bibliques, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui étaient tous prospères. Et mon père spirituel m'a dit, écoute, enseigne, Dieu t'a dit d'enseigner sur le succès, enseigne sur le succès qui vient de Dieu, en fait. Il m'a posé la question de savoir. D'où est-ce que vient le succès? Je lui ai dit que le succès vient de Dieu. Il me dit alors, enseigne le succès. Et je me rends compte de plus en plus qu'en tant qu'apôtre, je pensais que j'allais enseigner certaines choses. Mais le Seigneur me ramène à ce niveau. C'est comme si il est fatigué, en fait. Bon, pas fatigué. Mais c'est comme si ça lui tient à cœur de voir des gens être épanouis. Parce que vous savez que Jésus n'est pas venu sur la terre seulement pour guérir les malades. Il est aussi venu pour qu'on ait la vie, mais qu'on l'ait en abondance. C'est écrit dans la parole. Et le constat que je fais, c'est que beaucoup de gens vivent loin, loin de leur basket. Beaucoup de gens vivent une vie qui ne. Beaucoup de chrétiens d'abord, pour commencer, vivent une vie qui ne glorifie pas Dieu, dans le sens où même pour faire les moindres choses, c'est compliqué. Pour se déplacer, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne peuvent même pas rêver parce que le rêve est un standard trop élevé pour eux, en fait. Des gens qui ne peuvent même pas rêver parce que le temps de rêver, là, il faut qu'ils trouvent à manger. D'accord? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir, cogiter, commencer à rêver des grandes choses. Le temps de rêver là, l'énergie qu'il doit mettre à rêver, c'est l'énergie qu'il doit mettre à trouver, c'est qu'il doit manger. J'ai aussi constaté autre chose, c'est quoi? C'est que je vois beaucoup de femmes, et je parle beaucoup de ça depuis hier, je vois beaucoup de femmes qui sont à la merci des hommes. Elles sont à la merci des hommes, elles sont dépendantes des hommes, elles sont obligées de vivre des vies qu'elles ne veulent pas parce qu'elles n'ont pas d'argent. Et beaucoup de femmes africaines qui me contactent ont des problèmes d'argent. Beaucoup, 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 en fait, beaucoup. Et je les trouve déjà courageuses de venir reconnaître que non, ça ne va pas. Et il faut changer ça, en fait. Il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas faire l'hypocrisie là. Que oui, l'argent ne m'intéresse pas, l'argent ne m'intéresse pas. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des choses, en fait, des lois de l'argent, des principes, en fait, qui repoussent ou qui attirent l'argent. Et il faut qu'on en parle. En tant que chrétien, il faut qu'on parle de l'argent, en fait. Il faut qu'on parle des finances. C'est important. J'ai vu comment on a méprisé les gens qui n'ont pas l'argent. Je vois comment, jusqu'aujourd'hui même, dans ma propre famille, je vois des gens qu'on méprise parce qu'ils n'ont pas d'argent. De gens, on fait des barbecues, on organise des fêtes, mais toi, parce que tu n'as pas d'argent, tu n'invites pas, en fait. D'accord? J'ai vu ça, en fait. J'ai vu des gens faire ça et je trouve ça vraiment dommage. Je vous dis, c'est important d'expliquer aux gens comment réussir la vie. D'accord? Les gens qui n'ont pas de succès veulent vivre derrière le succès des autres. La preuve, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, tout le monde est derrière. Voilà.
Et donc, en fait, je vais vous dire une chose, c'est quoi? C'est que le succès, ce n'est plus un mythe, ce n'est plus quelque chose de compliqué, ce n'est plus quelque chose de bizarre. Le succès se définit divinement de la manière suivante. C'est d'être une solution pour les problèmes de ta génération. C'est fini, en fait. Un, tu t'accroches à Dieu, tu marches avec Dieu de tout ton cœur. Deux, il te révèle ce qu'il a déposé en toi, ton potentiel. Trois, tu vas maintenant avec ton potentiel résoudre les problèmes de ta génération. Et c'est fini, voilà les principes du succès. Et je me force à dire ça aux gens depuis des années. Je me force à dire ça aux gens depuis des années, en fait. Je m'efforce à l'expliquer aux gens, expliquer ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Tu n'es pas obligé de souffrir. Tu n'es pas obligé d'aller coucher avec des hommes parce que tu as faim. Je vois ça, c'est grave, en fait. Je vous ai partagé hier le statut, un statut hier où j'étais devant la radio, j'écoutais le témoignage en fait d'une femme qui, pardon, elle est dans une relation où elle sort avec un homme qui a de l'argent et l'homme ne veut pas faire d'enfant avec elle. Il lui donne tout, voiture, maison, tout, tout, elle a tout. Il prend même en charge sa famille et maintenant cet homme ne veut pas d'enfant en fait. Et elle veut les enfants. Donc ils sont arrivés à un niveau où pour sauvegarder leur relation, d'abord c'est un homme marié. Donc pour sauvegarder la relation, le monsieur lui dit que tu vas te faire ligaturer les trompes en fait. Tu vas te faire ligaturer les trompes pour pouvoir rester avec moi. Et c'est le terrain d'entente qu'ils ont trouvé. Mais elle est dans un dilemme, elle ne sait pas comment faire. Elle ne veut pas se ligaturer les trompes parce qu'elle veut accoucher. Mais en même temps, si elle refuse de se ligaturer les trompes, elle ne reçoit plus d'argent de ce monsieur. Et elle est dans un dilemme. Et ça m'a tellement choqué, en fait. J'ai partagé le statut avec vous. Et on se rend compte d'une chose, c'est que, elle est dans un dilemme parce qu'elle a besoin d'argent. Elle dépend de cet homme. En fait, cet homme, c'est devenu son Dieu. D'accord? Donc, il y a beaucoup de femmes ici, au Cameroun et dans d'autres pays africains. Les hommes sont vos dieux. Et je vous dis, ce n'est pas obligé d'être ainsi. Vous n'êtes pas obligé de vivre cette vie-là, en fait. Tu peux gérer ta propre life, tu peux gérer ta propre life, tu peux créer ton propre succès. On vous a déjà expliqué comment ça marche. Tu découvres tes talents, tu les développes pendant longtemps, tu transformes tes talents en services et en produits, tu vends ça aux gens et tu as l'argent et c'est fini. Les hommes vont venir marcher sur toi. Vous comprenez ça? C'est ça le succès. Dieu a prévu qu'avec ton don, le don qu'il a mis en toi, tu résolve les problèmes de la génération dans laquelle je te trouve. Voilà le succès divin. Vous comprenez? Je ne serai pas long, il n'y a pas beaucoup de gens en direct. Je vais aller sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était juste pour vous encourager, pour vous dire, ne cherchez pas les succès ailleurs, ne cherchez pas, ne faites pas la magie, ne faites pas la sorcellerie, ne tombez pas dans le compromis. Restez dans ce qu'il y a de divin. Dans certaines familles en Afrique, quand tu n'as pas d'argent, on t'accueille dehors, on te fait asseoir sur les tabourets en liane. Ceux qui ont de l'argent, on les accueille dans les... Oui, c'est ça. En Afrique, même ici, souvent, dans certaines familles, j'ai vu, quand tu es pauvre, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas et ton petit frère, s'il a plus d'argent que toi, ben écoute, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui décide en fait, parce qu'il a l'argent. J'ai vu des familles comme ça qui sont nourries par une seule personne. Personne ne fout rien. Gens ne font rien, ils attendent seulement l'argent d'une seule personne, en fait, et cette personne les malmène. J'ai vu des familles comme ça où on maltraite une fille, et comme le mari a l'argent, bonjour Catherine, comme le mari a l'argent, comme le gars a l'argent, ben, il fait ce qu'il veut, en fait. Il peut battre la fille, la renvoyer ses parents. Ses parents vont lui dire, retourne chez ton mari, ou tu viens faire quoi? C'est retourne chez ton mari, retourne chez ton mari. Vous comprenez ça, hein? Le succès n'est plus un mythe. Réussir sa vie n'est plus quelque chose de tellement secret, en fait. D'accord? Il y a beaucoup de cercles ésotériques, où on vous cache les secrets de la réussite. On ne vous a pas dit les secrets, mais nous, les coachs, sommes venus vous dire que pour réussir sa vie, voilà comment vous faites. Et je vois les gens mettre en pratique. Je vois les gens mettre en pratique. J'ai écrit le livre encore plus et le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire le livre sur les talents des enfants. D'accord? Et ce livre, en fait, non seulement c'est un livre qui est utile d'abord aux adultes, parce que, en fait, tout adulte est un enfant. Tout adulte est un enfant, en fait. Tout adulte est un enfant. Et quand tu lis ce livre, tu te rends compte que, tiens, en fait, ce livre te concerne d'abord en le concernant ton enfant. Maintenant, si tu arrives. Oui, quand il y a des réunions de famille, c'est toi qui vas acheter à boire, voilà.
Maintenant, ce livre, en fait, si tu l'ouvres, si tu achètes ce livre, tu l'ouvres à tes enfants, je te garantis, tu vas accélérer la destinée de ton enfant. D'accord? Le Seigneur m'a mis à cœur, je ne comprenais pas, il m'avait dit d'écrire des livres, il m'a dit que j'avais la capacité d'écrire beaucoup de livres et qu'il fallait que j'écrive, il insistait beaucoup que j'écrive. D'accord? Mais je me rends compte que de façon spirituelle, il a commencé par la fondation. La fondation, c'est d'abord les enfants. Les enfants. Et comme par hasard, quand tu lis ce livre, tu as l'impression en fait que moi, je parle à toi qui étais enfant. Il y a beaucoup d'adultes qui sont perdus, qui sont devenus réalistes, qui ont cessé de rêver. Quand tu vas lire ce livre, en fait, tu vas replonger dans ton enfance. Tu vas apprendre des choses que moi, j'aurais voulu savoir quand j'étais petit. Tu vas apprendre des choses que toi, tu aurais voulu qu'on te dise quand tu étais petit, en fait. D'accord? C'est très important. Voilà, il reste quelques copies ici, au Cameroun. N'oublie pas de nous envoyer un stock à Douala, s'il te plaît. Oui, là, je suis à Douala actuellement. Il y a quelques copies ici, mais on va renouveler le stock, d'accord? Il coûte seulement 10 000. C'est, franchement, il coûte seulement 10 000. Hein. C'est pas cher. C'est... Vu les coûts de production, je trouve que c'est même pas cher. Voilà. Il coûte seulement 10 000. C'est un livre de 100, 107 pages, 108 pages. Oui, 108 pages. Vraiment condensé de très, très bonnes choses, en fait. D'accord? J'ai une partie sur... je vais vous expliquer ça. Déjà, quelles sont les causes, en fait, des problèmes? Qu'est-ce qui empêche les enfants de découvrir leur talent? Qu'est-ce qui empêche les enfants de découvrir leur talent? D'accord? J'ai parlé... de l'absence de vie spirituelle des parents. J'ai parlé de, voilà, de beaucoup de choses. Il y a au moins 8 causes. Il y a au moins 8 causes. Après, je montre comment découvrir les talents de son enfant. Parce que la découverte des talents d'un enfant est différente de la découverte des talents d'un adulte, en fait. Pour un adulte, il y a une autre façon de faire. Dans la formation des talents, j'explique ça très bien. Il y a 11 stratégies, en fait, pour découvrir chez l'adulte. Mais l'enfant, il n'est pas encore à un stade où il manifeste des choses. Mais il y a une façon en fait de faire pour découvrir ce que Dieu a déposé dans ton enfant. Et j'explique ça en fait. Et j'explique aussi dans ce livre comment programmer le subconscient d'un enfant pour qu'il réussisse sa vie. Écoutez bien. Écoutez bien. J'ai fait une partie dans mon livre pour que vous arriviez à pirater. Autrement dit, programmer le subconscient de votre enfant pour que le succès soit chez lui une évidence. Je l'ai fait avec ma fille, je suis en train de voir des résultats. Elle est en train de... Je n'ai pas d'inquiétude pour elle, en fait. D'accord? Il y a une façon de faire. Il y a des choses que tu dois dire à ta fille. Il y a des exercices que tu dois répéter à ton enfant régulièrement qui vont devenir une façon de vivre. La Bible dit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il grandira. Il ne s'en détournera point, en fait. D'accord? Il y a des actions. Il y a des parents, par exemple, ils ont leurs enfants et ils passent le temps à détruire des enfants, en fait. Sans se rendre compte. D'accord? Je parle par exemple du subconscient. Je dis que le subconscient est la partie cachée du cerveau qui inclut des éléments encore plus importants que ceux de la conscience. On y retrouve la mémoire à long terme, les émotions, les sentiments, les habitudes, les mécanismes relationnels, les addictions, les fonctions involontaires du corps comme cligner des yeux, bouger la tête, la créativité de l'homme, les états de développement, la connexion spirituelle, les intuitions. D'accord? Voilà. Comme par exemple, une personne qui a de mauvaises habitudes alimentaires fait face à une addiction. Pour l'aider à guérir, les régimes alimentaires drastiques ne suffisent pas. Il faut aller dans le subconscient et traiter en reprogrammant dans ses pensées la raison pour laquelle elle mange et répondre à la question de savoir qu'est-ce qui l'amène à manger de façon désordonnée. Il faut aller chercher dans l'enfance le choc subi. Bref, je ne vais pas tout vous lire, mais prenez votre copie en fait. Voilà. C'est hier encore, je suis allé voir mon père spirituel pour lui donner mes prémices de mes ventes de mon livre, et il a ouvert le livre, il a vu la structure du livre, il m'a dit franchement ce livre est puissant. Mon mentor, le coach Darcy, a acheté le livre en version e-book, il a regardé juste la structure du livre parce que c'est un homme qui produit des gens, il coach des gens qui font des best-sellers, il aide des gens à faire des best-sellers sur Amazon, il a juste regardé la structure du livre, il a dit William, ce livre est un très bon livre. Voilà. Bonjour Valeska, donc soyez bénis. Bonjour Umberto. Oui, le stock sera en France. Nous avons hâte de découvrir le contenu du livre. I need your new book. I'm in Douala. Where can I find it? Je suis à Douala. Je vais laisser. Je vais mettre les coordonnées sur ma page. Je vais mettre les coordonnées de la personne que vous devez contacter pour avoir le livre ici à Douala. D'accord? C'est dans beaucoup de familles africaines, il y a ce phénomène de l'assistance sociale, celui qui soutient financièrement toute la famille. Il faut casser ce mythe. Voilà.
Je vous dis, même si tu viens d'une famille pauvre, même si tu viens d'une famille où on mangeait une fois par semaine, tu peux réussir ta vie. Ce n'est plus un mythe. Ce n'est plus un mythe. À laisser, en fait, on vous a caché des choses. Même parfois dans certaines églises, on vous a caché les clés du succès. Vous êtes dans les églises parfois où vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous jeûnez, vous chassez les démons, mais on ne vous montre jamais comment réussir vos vies. On ne vous montre jamais comment réussir la vie. Nous, les coachs, je le dis avec courage. Maintenant, je suis aussi apôtre. D'accord? Je le dis à qui veut bien entendre, hein? Même à celui qui ne veut pas entendre. On en déplaise à certaines personnes, à certains kidam, comme on dit. Réussir sa vie n'est plus compliqué. Ce n'est plus compliqué, en fait. Je sais de quoi je parle. Je vis le succès. Par la grâce de Dieu, je vis le succès. Je sais de quoi je parle, en fait. Je peux te parler de succès. Ce n'est plus un mythe. C'est possible. Tu n'es pas obligé de te lever le matin. Tu es en train de réfléchir sur quoi, sur ce que tu vas manger. Tu n'es pas obligé de te lever le matin. Tu paniques en fait sur ton avenir. Tu n'es pas obligé de te lever le matin. Tu es obligé de donner ton corps parce que tu dois manger. Parce que tu veux avancer à l'école. Parce que tu veux voyager. Non, tu peux créer et ta propre chose. Voilà. Eureka, ok, bah écoute, Eureka. J'attends que Dieu nous donne le go. On a été consacré. À peine on est arrivé en France, ma mère est partie. Je rejoins le Seigneur. Donc on a besoin d'un temps où on va se poser un peu pour sortir un peu de toutes les émotions, tout ça. Et Dieu va nous donner la direction. D'accord? Ce n'est plus un mythe, la réussite. Et je ne suis pas celui qui va venir vous dire en tant qu'apôtre que oui, donne l'argent ici. Si tu ne marches pas avec moi, tu vas rater. Non. Tout le monde peut réussir sa vie. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 27 que soyez féconds. Dieu dit, il unit l'homme et la femme, il les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, assujettissez et dominez. Il n'a pas dit, chrétien, soyez féconds. Il n'a pas dit, chrétien, soyez féconds. Il a dit, homme et femme, soyez féconds. Ça veut dire que peu importe ta race, ta religion, ton culte, tout ce que tu veux, si tu es fécond, tu portes du fruit, tu développes ce que Dieu a mis en toi, de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, si tu le multiplies, d'accord, tu le distribues dans le monde entier, tu vas réussir. Regardez les entreprises comme McDonald's, comme UPS, regardez toutes les grandes entreprises, regardez ce que les Chinois font en fait. Ils découvrent un produit. Regardez McDonald's. McDonald's crée un service, non, par rapport à un besoin. Ils créent de la restauration rapide. Ça, c'est le premier niveau. Ils sont féconds. D'accord? Ils portent du fruit. Deuxième, ils font quoi? Ils multiplient, en fait. Ils multiplient ce qu'ils avaient déjà découvert, ce qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire les sandwichs. Ils multiplient ça. Ils ouvrent plusieurs McDonald's, plusieurs restaurants. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Après avoir ouvert plusieurs restaurants dans la ville, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissez le monde, remplissez la terre, ils remplissent le monde entier avec les restaurants McDonald's dans le monde entier. Après, on dit quoi? Assujettissez et dominez. Ça veut dire quoi? Ils contrôlent la concurrence et ils dominent. Voilà le même système que même aujourd'hui les Chinois font. À tel point qu'on veut les casser en fait. Les Chinois font la même chose. Ils ont découvert des produits et des services. Ils ont multiplié ça. Ils remplissent le monde entier. Ils sont partout. Hein? Voilà comment tu réussis ta vie en fait. C'est pas compliqué. Vous comprenez ça, hein? Merci, Reka. Oui, c'est gloire à Dieu. C'est vrai que Dieu nous a dit ça, que, bon, on verra ce que Dieu dit. C'est ça, en fait. Ne vous prenez pas la tête. Pour réussir, ce n'est pas compliqué. Je vous ai dit, pour réussir la vie, ça commence par le talent. Aller monter, descendre, changer de pays, c'est une loi universelle. Ça commence par le potentiel, ce que Dieu a déposé en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Cherche ça. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Cherche ça. Je m'en fous que tu es à l'église ou pas en fait. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Là, moi, quand je parle aux Africains ici, je suis en train de chercher les gens qui partent à l'église. Je cherche tout le monde. Quand je parle à mes frères ici au Cameroun, je cherche tout le monde. Quand je vais à Dubaï, je parle aux gens de Dubaï. Je ne cherche pas une personne qui va à l'église. Je cherche les gens qui sont des êtres vivants, à qui Dieu a dit, si tu développes ton potentiel, tu vas réussir. Vous comprenez ça? Ce n'est plus un mythe. Et j'étais assis, je suis allé hier avec une de mes talentueuses. On allait manger. Et il y a un monsieur qui est venu pour suivre notre voiture. C'est un monsieur, un jeune homme qui est venu. Il a peut-être 30 ans. Il est venu suivre la voiture. Et à un moment donné, je le vois qui vient là pour nous demander de l'argent. On lui a donné 100 francs, en fait. 100 francs. Et il était là, en fait. En fait, il garde les voitures des gens. On lui donne 100 francs.
Et dans mon cœur, je l'ai regardé, je lui ai dit à ma talentueuse, tu vois ce monsieur, si seulement je pouvais m'asseoir avec lui et lui expliquer le potentiel. Parce que bien sûr, on ne donne pas les conseils aux gens tant qu'ils ne demandent pas, en fait. D'accord? On ne donne pas les conseils aux gens. Quand tu donnes les conseils à une personne et qu'elle ne t'a pas demandé ses conseils, en fait, tu es en train de faire ce qu'on appelle un viol psychique. Tu viens l'importuner dans son monde, en fait. D'accord? Mais je vois beaucoup de gens ici qui galèrent, qui vivent des vies bizarres, juste parce qu'ils n'ont pas compris le potentiel. J'ai même des gens dans ma propre famille qui me suivent sur Internet, qui suivent les vidéos, qui voient mes vidéos passer sur le potentiel, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Mais ils ne prennent jamais ça au sérieux. Mais quand tu reviens au Cameroun, ils sont toujours dans les mêmes vieilles galères. Les mêmes vieilles galères, en fait. Tu vois un peu? Toujours dans les mêmes vieilles galères. Les mêmes vieilles galères, en fait. Les mêmes vieux problèmes. Les problèmes toujours, oh, vraiment, pardon, donne-moi un peu ta veste. Ouais, tu ne laisses même pas ta chaussure, là. Ouais, tu ne laisses même pas ta pelle. Maman, tu as une belle Jordan, hein. Tu ne me laisses même pas ça. Non. D'accord? Il faut que tu atteignes un niveau de ta vie où maintenant, tu mets en pratique les principes qu'on t'enseigne. Je dis bien, je répète encore, ça c'est le but de ma vidéo. Réussir sa vie n'est plus un mythe. D'accord? Et j'ai bien défini la réussite. La réussite, c'est d'accomplir les projets de Dieu pour ta génération. Tu peux avoir les immeubles, les maisons, tout ça. C'est bien. Mais si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, tu es en train de passer à côté, en fait. Et je dis aux gens, réussir sa vie, c'est libérer dans sa génération ce que Dieu a mis en toi. Aussi simple que ça. C'est laisser un héritage, même pendant que tu es vivant. Parce que les gens pensent que laisser l'héritage à sa génération, c'est mourir. Non, non, non. Pendant que tu es jeune, tu laisses un héritage, en fait. D'accord? Tu peux laisser, c'est pas un centre de formation. Tu peux construire un centre de formation. Tu peux créer des vidéos sur YouTube qui transforment la vie des gens. Tu peux créer des produits qui vont aider les gens dans leur quotidien, en fait. D'accord? Diamond Shine. You got to stop that Diamond Shine. You know what I'm saying? Tu manges ton argent aux États-Unis là-bas, tu m'oublies. Tu avais des grandes personnalités aux États-Unis. Hein? Hein? You make it rain there. You make it rain there. And you forget about me. Tu vois un peu, non? C'est ça, en fait. Tu dois libérer quelque chose. J'insiste encore dessus. C'est pas normal que tu vives ta vie et que tu n'aies pas de produits et de services. Quels sont tes produits? Quels sont tes services? Qu'est-ce qui sort de toi pour bénir ta génération? Assieds-toi. Maintenant, tu regardes. En anglais, on dit take time to ponder. Prends le temps de méditer ça. Qu'est-ce qui sort de toi aujourd'hui pour bénir ta génération? Genre, les personnes, quand on demande quoi de neuf, tout est vieux. J'ai horreur de cette mentalité de stagnation. Oui. Love you too, girl. Come on. Tu m'écris même plus, Diamond. Tu m'as oublié. C'est comment? Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Tu dois trouver quelque chose à donner à ta génération. Voici encore une autre définition du succès que je vous donne. Tu dois léguer quelque chose à ta génération. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants des enfants. Mais en fait, quand j'ai réfléchi sur ce passage biblique, je me suis rendu compte que les enfants des enfants, ce n'est pas seulement tes enfants physiques. Parce que tu n'en auras pas des milliers, tu n'en auras pas des... C'est pas... Tu peux avoir 5 enfants sur la terre, 3 enfants, mais tu peux avoir des millions d'enfants à travers le monde. Les millions d'enfants à travers quoi? À travers le domaine de paternité que Dieu te donne, en fait. D'accord? Merci. Le domaine de paternité professionnelle que Dieu te donne. Dieu te donne un domaine de paternité, un domaine où tu es excellent, un domaine où il a mis en toi des produits et des services, du potentiel. Ça peut être la couture, ça peut être la chimie, ça peut être la motivation, ça peut être le coaching, ça peut être la médecine. Un domaine où, en fait, où tu as une solution pour ta communauté, pour ta génération, en fait. Et là, maintenant, tu commences à avoir des enfants dans le monde entier. Tu es un père, dans cette sphère, tu es un pionnier, tu es un devancier, en fait. D'accord? Et quand tu fais ça, tu vas réussir ta vie. Tu réussis ta vie, en fait. Beaucoup de gens ont une mentalité assez limitée, étriquée. Ça dit quoi? C'est que je vais à l'école, je passe mes diplômes, je trouve un bon boulot, je gagne 1 million, je gagne 2000 euros et je fais des enfants, je me marie, je fais des enfants, je paie des factures, c'est tout. La plupart du temps, la vie des gens, c'est ça, en fait. La plupart du temps, la vie des gens, c'est ça.
C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas se prendre la tête. Ils veulent juste avoir leur salaire pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est tout, en fait. Mais ce n'est que ça, là, ce n'est que le béaba. D'accord? Qu'est-ce que la terre ressent comme touche personnelle parce que tu es là? Qu'est-ce que cette génération est en train de vivre de spécial parce que tu existes, en fait? Je te pose la question. En quoi est-ce que cette génération est en train de sentir ta présence, en fait? Tu n'es pas venu sur la terre juste pour être comme ça, être une étoile filante, en fait. Tu vis ta vie. Ta présence sur la terre n'est pas différente de ton absence, en fait. En quoi est-ce que ta vie sur la terre a un retentissement? Quel est le domaine où on sait que tu existes, en fait? Pour quel domaine on sait que tu vis? C'est ça, réussir sa vie. Dieu n'a pas créé tout le monde pour être des pasteurs. Il y a beaucoup de gens autour de moi, je dis souvent, le message sur les talents, il le néglige. Et ce n'est pas compliqué. Regarde juste comment il vit après. Regarde juste comment il vit. Regarde comment il fait ça. Il fonctionne. Toujours les mêmes vieux problèmes. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu a mis en toi? Dieu te met à cœur de faire de la couture. Comme tu as fait un master, tu méprises la couture, tu laisses. Continue à faire ton master. Tu vas voir à la fin. Dieu a mis en toi les talents de coiffeur. Ok, j'ai vu des gens comme ça. Il met en toi les talents de coiffeur. Mais comme tu as fait master, c'est pas en finance ou machin, tu dis non. Moi, je vais pas aller faire de la coiffure. Écoutez, écoute, je suis quand même un gars de la finance, tu vois. Voilà. Tu marches en costume, cravate rouge, là, la Défense, la City. Tu es un grand monsieur. Mais Dieu t'appelle à développer des dons dans la coiffure parce qu'il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Il peut créer toute une industrie avec toi, en fait. Mais tu vois ça, tu dis, ah, c'est pour les autres. D'accord? À un moment donné dans ta vie, tu seras bloqué. Comment je sais ça? Je coach beaucoup de gens qui ont des bacs plus 15 dans les domaines où ils n'avaient rien à faire. Je coach des gens qui ont fini l'école, mais ils se tournent en rond dans leur vie. Et un truc que j'avais remarqué, c'est qu'au début, quand ils venaient vers moi, j'avais devant les bacs plus 15 et plus, les gens, ils viennent vers moi, j'ai dit, mais Seigneur, ils viennent faire quoi vers moi en fait? Pourquoi je. C'est quoi? C'est, tu vois, un ingénieur, il vient faire quoi en fait? J'ai dit, mais un ingénieur, écoute, tu es ingénieur, tu gagnes tes 4 000, 5 000 euros, mais pourquoi tu veux me chercher en fait? Tu veux quoi? Non, coach William, vraiment, je veux que tu m'aides. Je suis bloqué dans ma vie. Je suis bloqué. Je dis, mais tu es bloqué comment? Il me dit que non, coach, ce n'est pas ce que tu crois là. Et c'est là que j'ai compris que tu peux avoir des diplômes dans un domaine et être à côté carrément de ta destinée. Parce qu'il y a deux destinées. Il y a la destinée des hommes que les hommes ont mis en place. Celle d'aller à l'école, avoir un bon boulot que tes parents vont choisir, faire des études que tes parents choisissent pour toi à la fin de tes études. Et j'en parle dans mon livre. Hein. J'en parle dans mon livre. Je demande, à un moment donné, j'ai étudié un participatif, je dis aux parents de lâcher les enfants, de les laisser tranquilles en fait. Voilà. C'est-à-dire, tu fais des études que ton père voulait que tu fasses. Et après, bon, écoute, tu ressembles à ton père. Tu es téléguidé. Après, tu es frustré. Tu es frustré là. Et il y a la deuxième personne qui a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Un don, des choses en fait. Et il vit dans cette dimension-là. Et après, il est épanoui. Les vrais vêtements sont disponibles sur ma page. Oh mon Dieu, tu vois. Toi aussi, tu viens vendre des habits sur ma page. My God. Vous voyez, c'est ça que je n'aime pas avec nos frères, avec la famille. Donc. Maintenant, si je dis des choses bizarres, on va me prendre pour un. On va dire que, coach, William, toi aussi, tu es un apôtre. Toi aussi, tu viens vendre des habits sur ma page, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne demandes pas tout simplement? Pourquoi tu ne crées pas une page? Bref, je fais comme si je n'ai pas vu. Ah putain, Nazif, Adjense. Ok. Donc voilà, et je vous encourage, d'accord? Le succès n'est plus un mythe. C'est accessible. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne parle?
dedans. Oui, les dons. Donc voilà, j'ai la conférence. On a une conférence à Paris le 7 mars avec la prophétesse Gisèle Costa qui est en commentaire là. Ce sera viens pour entrer dans ta destinée. Viens entrer dans ta destinée en fait. Viens entrer dans ta destinée. C'est le 7 mars. Pardon, le 7 mars. Vous aurez plus d'infos sur ma page. Donc le 7 mars, c'est la semaine prochaine. Vous qui êtes sur la place parisienne, venez. Vous qui êtes en France, en Europe, qui pouvait prendre un bus depuis la Belgique, depuis la Suisse, je sais pas, venez en fait. Coach, moi j'ai le niveau Bac plus 2, maintenant j'apprends la coiffure et l'esthétique. Ça, c'est quand j'ai commencé à vous écouter que j'ai su que c'était mes talents. Très bien, Naomi, très bien. C'est ça en fait. Donc voilà, il y a quelques copies disponibles de ce livre ici, à Douala. Comment libérer les talents de ses enfants? Bon, je vais vous laisser. À ton contact, j'ai su ma qualification. Très bien, amen. Amen, Gisèle. C'est ça en fait, c'est ça. C'est ça. Et il y a la formation des talents qui commence en mars. J'ai fait une promo, j'ai fait une promotion à moins 50% pour les gens parce que les gens me disent que oui, c'est cher. Je trouve ça bizarre que les gens disent que à 500 euros, une formation qui va transformer vos vies soit chère en fait. J'ai fait une promo pendant 3 jours. La promo va s'achever, je crois, cet après-midi en fait. Cet après-midi, la promo s'achève. Si tu veux nous rejoindre, tu peux avoir la formation à moins 50% au lieu de 500 euros, tu passes à 250 euros. Voilà. Donc, ça t'intéresse, je suis disponible en inbox. Sinon, ce soir, je ferme cette promo. Voilà. Lancez-vous et on attend les témoignages comme le mien. Amen, amen, amen. Voilà, c'est ça.
Ok, ciao.